So for the optimistic cynic, shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna see. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va pas trop, parce que ça commence à m'énerver, ça fait 4 fois que je recommence ce putain de record, cette putain de vidéo, ça fait 4 fois que je la recommence, parce qu'une fois c'est le son qui marche pas, une fois c'est la caméra qui marche pas, une fois c'est le gameplay qui est pas synchronisé, bref voilà, c'est le bordel. Donc, moi quand même, bon, je dis ça mais je suis content quand même de vous proposer cette vidéo, parce que c'est le 7ème épisode de Max en HDB8, et dans cet épisode on a vraiment du très lourd. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de très, mais ça valait vraiment le coup parce qu'on a déjà des belles attaques, clairement. Regarde, on commence directement avec un 350 000 d'or. Je dis ça, je dis rien, c'est plutôt pas mal, j'ai vraiment beaucoup de chance dans cette série, niveau butin, je trouve vraiment sur les tombes, je trouve vraiment sur des tombes de ouf, j'allais dire, je tombe vraiment sur des trucs de ouf, et donc ça me fait vraiment très plaisir, et puis en plus, d'autant plus, qu'on a vraiment de très grosses améliorations, vous allez voir en fin de cette vidéo-là, on a du lourd, donc, déjà, pour commencer, la question que tout le monde se pose en ce moment, pourquoi j'ai une casquette? Voilà pourquoi. Voilà, comme ça c'est dit, c'est réglé, en plus je l'ai mal mis, voilà, tout va bien, très bien. Bref, faut que j'aille chez le coiffeur, je le sais, on s'en fout. Donc, je veux pas de commentaires sur ça dans les commentaires. Bref, putain, donc voilà, il y a déjà un gameplay de ouf qui vient de passer, mais personne l'a vu parce que tout le monde est concentré sur ce que j'étais en train de dire, et du coup ça fait pas bien. Donc voilà, on a fait 301 000 d'or. Au calme, tu vois, on se met direct sous bien, on commence d'entrer, on rentre dans le game, on impose notre style. Donc, vous pouvez voir là que je suis dans une petite ligue, je suis en bronze 1. Pourquoi je suis descendu en bronze? Parce que j'ai vu qu'en argent c'était bien, mais sans plus. Du coup, je me suis dit, on va essayer d'aller en bronze. Et c'est vrai que c'était pas trop mal. J'ai essayé de farmer un petit peu en live en bronze pour ceux qui suivent les live, vous l'avez vu. Et ça tournait quand même, la loupe tournait beaucoup. Fait. Je prenais un peu de temps à en trouver, mais quand j'en trouvais, c'était plus des trucs pas trop mal. On peut voir qu'il y avait beaucoup de bases à moitié AFK comme celle-là. AFK, même pas trop, tu vois, c'est. Voilà, bref, on s'en fout, on trouve quand même du beau butin, on tape dedans, on cherche pas à comprendre, on y va, on veut juste de l'or, on veut juste de l'élixir, histoire de bien se mettre bien après et de faire beaucoup d'améliorations, donc voilà, au calme. On a combien déjà de troupes de butin gagnées? On est déjà à 188 000 et je pense pas que ça aille beaucoup plus loin. On va essayer de prendre cette réserve, enfin cette mine ici. Je sais pas, ouais, je me semble que je vais la prendre, ça a l'air. Ouais, parfait, je l'ai pris, 248 000, j'ai tout pris en fait. Je disais que c'était une base à moitié AFK, mais en fait il y avait vraiment tout dans les mines. Donc ça fait vraiment très plaisir. Par contre, on peut voir que lui n'avait pas beaucoup d'élixir du tout. Il avait beaucoup d'or, mais pas beaucoup d'élixir. Voilà, faut faire des choix. Ok, cette attaque, j'assure qu'il faut regarder aussi. 380 000 d'or. J'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon, t'as pas le choix, tu dois l'attaquer déjà. Mais ça, c'est le genre de base que tu préfères quand même attaquer avec des géants et des fées, tu vois. Parce que là, les géants, clairement, ça tank bien, t'es au calme, t'es bien. Mais là, en barbarché. C'est vrai que c'est un petit peu plus chaud, heureusement que le gars avait des défenses nulles, heureusement que le gars avait des murs nuls, avait des TDS nuls, avait des mortiers nuls, bref, heureusement que le gars était nul, parce que sinon, ça serait vraiment pas passé, parce que ce genre de vivier en barbarché, c'est le genre de vivier où tu rentres dedans, et une fois que c'est dedans, t'as toutes les troupes qui sont compactées, et là t'as toutes les troupes, t'as toutes les défenses flash qui tapent dedans, et du coup t'as toutes tes troupes qui se font démonter, mais là vu que les défenses flash étaient pas fortes, ça va, tranquille, tu vois, t'as la TDS qui est pas forte du tout, donc elle fait mal, mais sans plus, regardez là-bas, elle arrête pas de mettre des coups à mon groupe de barbares, mais ça leur fait rien, les barbares, ils sont tranquilles, tu vois. Alors là, regardez l'or qui commence à descendre un petit peu, et là, je me suis dit, merde, j'ai attaqué de ce côté, parce que je me suis dit, ouais, j'ai récupéré les réserves d'or, sauf que là, tout est dans les mines. Du coup, j'avais le seum, clairement, et du coup, j'ai balancé tout ce qui me restait, je me suis dit, bon, ça va aller sur l'HDV, peut-être qu'il y ait un espoir qu'après, ça aille sur les mines. Et bien sûr, l'espoir a bien fonctionné, parce que j'ai pas vu qu'il y avait autant de troupes, moi je pensais qu'il y en avait très peu des troupes qui me restaient. Mais en fait, regardez au milieu, tout ce qui reste, c'est impressionnant. Donc voilà, je suis vraiment content. Il y avait beaucoup d'archers. Du coup, c'était cool, parce que regardez, là, ils vont se faire plaisir, ils vont prendre tout l'or qui reste. Et voilà, au calme, regardez là en haut le butin en or qui commence à être vraiment pas mal. 4 346 000 d'or. C'était vers ma fin de session. J'étais plutôt bien, clairement. Donc voilà, je sais plus si je fais le 100%, il me semble que je fais 99% si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il me semble. En tout cas, ça a l'air plutôt mal parti pour le 100% là. La TDS qui est vraiment très mal et qui est vraiment très chier, donc il faudrait vite détruire. Est-ce qu'elle va être détruite? Oui. Donc c'est ouais, c'est ça. 99% c'est la Tesla qui va faire chier. Je m'en rappelle. Il me semble que c'est ça. Je sais plus. En fait, je dis ça, mais je sais absolument pas. Si, c'est ça. Parce que là, regardez, la Tesla, elle va buter les deux archers. Et en haut, il reste sur un camp militaire. Ça fait 99%. Voilà, le seum. T'es un petit peu deg. Bon, ça va, je t'en farm. Mais bon, le 99%, il fait toujours mal aux fesses quand même. Quand tu le vois, tu te dis, ah putain, dommage. Mais bon, 380 000 d'or. Là, par contre, ça fait moins mal aux fesses. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais juste regarder combien de temps il reste de gameplay. Encore, ouais, encore 4 minutes. Ça va.
J'ai encore le temps de raconter ma vie, un petit peu le temps de parler. Donc ça va, c'est bon. Donc là, on tombe sur quoi? On tombe sur un 250 000 d'élixir et d'or. Non, d'élixir, il n'y en a pas beaucoup, pardon. D'or, juste. Donc là, clairement, c'était pas mal. C'est vrai que c'est une base qui se prête pas mal au barbarchier. Mais c'est pas non plus ouf. Parce que sur ce genre de base, regardez, il y a quand même pas mal de mines et d'extracteurs rentrés. Et surtout, il y a des bâtiments devant les mines et extracteurs rentrés. Du coup, c'est très très chiant. Parce que du coup, tu dois casser les bâtiments qu'il y a devant les mines et extracteurs rentrés. Pour ensuite aller avec tes archers sur les mines et extracteurs rentrés. J'ai dit trop de fois mines et extracteurs rentrés dans cette vidéo. C'est chiant. C'est pas grave. Donc, voilà. On peut voir déjà que j'ai pris 135 000. Et qu'en gros, il reste encore 3 grosses mines qu'il va falloir choper très très rapidement et très très voilà qu'on est obligé de choper. Bref, je m'embrouille un petit peu, mais voilà, c'est bien, il faut vraiment les choper parce que c'est là où il y a beaucoup de ressources. Donc c'est ce que je fais tranquillement. Je balance mes quelques barbares, mes quelques archers, et ça y va tranquillou, posément. Il se dirige directement vers les ressources, et donc c'est ça qu'on veut, c'est ça le mieux. Et donc là, vous vous demandez tous, les gars, regarde, il a énormément de ressources, Alex, là, clairement. Il était à 4 millions tout à l'heure. C'est pas mal ça. Alors à votre avis, qu'est-ce que j'ai pu farmer? Merde, je dis ça, mais vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Mais c'est pas grave, donc comme vous l'aurez vu, j'ai voulu tout simplement farmer mes mortiers au niveau 6. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai amélioré mes 3 mortiers au niveau 6. C'est assez énorme quand même, ça fait vraiment plaisir. Alors pourquoi j'ai amélioré ces mortiers au niveau 6? Presque en priorité, parce que ça fait pas très très longtemps que je suis HDV8, donc c'est un petit peu quelque chose que j'ai amélioré dans le début, simplement parce que pour moi les mortiers c'est une des meilleures défenses du jeu. Au passage, en parlant de défense, là c'est une défense que je me suis pris quand je jouais pas beaucoup sur mon compte. Donc là je me suis pris clairement la bite dans les fesses, on peut le dire. Je me suis fait démonter. On m'a pris 560 000 d'or et 493 000 d'élixir. Bref, parenthèse fermée, je vous laisse sur ce gameplay. Mais je suis en train de vous dire donc que j'ai amélioré simplement mes 3 mortiers. Parce que pour moi, les mortiers, c'est vraiment une défense qui fait vraiment très très mal. Au niveau 6, ça commence à être stylé quand même. Donc au moins, les mortiers en plus, on n'en parle plus. C'est maxé. Et donc voilà, c'est cool. Donc là aussi, vous devez vous dire, ouais, dans le dernier épisode, Alex, t'as eu les PK. Pourquoi tu nous fais pas d'attaque avec tes PK? Parce que, tout simplement, j'ai voulu faire du go whip. Mais après, je me suis dit que ça allait pas passer du tout parce que j'ai des sosos de niveau 4. Du coup, dans cette vidéo, j'améliore les sosos au niveau 5. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, je pense que maintenant, vous savez pourquoi j'ai amélioré ces trucs. C'est vrai que je vous fais pas les améliorations en live comme la dernière vidéo. Mais je préfère vous expliquer pourquoi je le fais. Je pense que ça revient un petit peu au même et c'est plus simple pour moi. Donc voilà, j'ai amélioré mes sosos au niveau 4. Simplement pour pouvoir faire du... au niveau 5, pardon, pour pouvoir faire du go whip potable. Parce qu'avec des sosos au niveau 4, ça devait être tout nul. Et donc voilà, dans le prochain épisode, je vous promets qu'il y aura au moins une ou deux attaques en go whip. Que je ferai mes premiers tests en go whip. Pourquoi pas une attaque en live si je peux. Je promets rien, on est d'accord. Mais pourquoi pas, c'est faisable. Mais bon voilà, donc dans cette vidéo, donc j'aurai amélioré mes 3 mortiers au niveau 6 ainsi que mes sosos au niveau 4. Et j'ai aussi amélioré ma seconde caserne noire au niveau 2. La caserne noire, la seconde, je vais la monter tout seul de mon côté en off, je pense, parce que c'est un petit peu chiant à monter. Parce que comme vous le savez, j'ai oublié de faire la caserne noire. Je l'ai monté au niveau 1 et au niveau 2 en off. Et je pense que je vais continuer comme ça. Bref, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Il va falloir aussi bientôt que je monte mon usine à sort noir. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais il va falloir aussi que je monte en priorité mes PK et mes gogo. Je pense, parce que franchement, ça va faire très très plaisir d'avoir des PK de niveau 2 ou 3. Voilà, ça va se faire plaisir. Donc, je pense que c'est le dernier replay de cette vidéo. On va juste ensuite passer aux améliorations juste après. Donc, voilà. Bref, on rentre au vivi, tranquillou. Ensuite, on passe aux améliorations. Donc voilà, un mortier au niveau 6, deux mortiers au niveau 6 et trois mortiers au niveau 6. On finit maintenant avec les sosos et pour terminer, la caserne noire juste après, vous allez voir. Donc voilà, c'était Alex. J'espère vraiment que ce petit épisode de Maxon HDV8 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner ou même à liker cette vidéo si c'est pas encore fait. Je vous dis 14 fois la même chose, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo tout simplement. Normalement, ça devrait être... ouais non, je sais pas en fait quand cette vidéo va sortir, donc je peux pas vous dire. Donc voilà, c'est Alex, je vous fais vraiment des très très gros bisous. Cet épisode a été un petit peu plus long que les autres, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bye tout le monde.